Well, I have to say that Juri had a great fun watching all these documentaries, and it wasn't difficult at all to find the commended one. It's Daddy Fish from France, and it's one of those documentaries that takes you completely because it has a really extraordinary character in it, and it made us feel like we want to be kids again. Les gros mots interdits. We were in France and we are going to France again because Vina comes from France. The choir girls will show you how it could be fun even when you are in your golden age. Surtout qu'on répète le nouveau morceau, Stayin' Alive. Alors, vous avez travaillé votre anglais pour Stayin' Alive? Oui, bien sûr. Stayin' Alive, je me demande si je la connaissais. J'avais bien dû entendre parce que j'écoute beaucoup de choses. Mais ça me passait peut-être au-dessus de la tête, hein, maintenant, pas du tout. La chanson, c'est Standing the Life. Je le prononce, faisait très mal. Standing the Life. Standing in the Life. Je ne saurais jamais le dire. Et 3, 4. Standing the Life. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas assez de souffle? Ah bah, qu'est-ce qu'on fait? On respire. Bah, vous respirez. Ah bah voilà. Ah bah, j'osais pas. 1, 2, 3. Lucette, vous avez respiré là? Oh oui, vous n'avez pas entendu? Non. Formidable. Ben non, c'est parfait. Non, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous pensez si on a quelques autres choristes? Oui. C'est une petite chorale de collégiennes qui sont fortes en anglais. Oh, oh oui. Donc ça vous plairait comme tout idée? Tout à fait. Oui. Donc, voilà, seulement sur ce chant-là. Hein. J'ai 87 ans. Je suis curieuse. Je suis horriblement curieuse. Donc j'aime bouger. Mais je n'ai vécu que comme ça. Qu'en ayant des projets, bien sûr. Toute ma vie, j'ai des projets. De toute façon, moi, je me dis chaque matin, qu'est-ce que je vais trouver aujourd'hui de nouveau? Et chaque jour, on trouve quelque chose. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend jusqu'au bout. Au revoir.